Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir comment positionner le gros grain à l'intérieur du chapeau sur l'entrée de tête. Donc on prend un gros grain en coton de préférence, on le préforme donc légèrement en arrondi, on prend la partie la plus arrondie, on va la mettre sur le milieu dos en point de départ. Ensuite on va venir épingler de manière régulière sur tout le tour. On va laisser un petit décochement au niveau de l'arête d'à peu près 2 à 5 mm, ça dépendra des modèles. On pense bien à planter l'épingle en haut et à la faire ressortir en dessous, sinon le risque c'est que le gros grain coulisse gentiment pendant que je suis en train de faire ma couture et là le point ne sera pas au bon endroit, donc il faudra tout recommencer. Et ensuite je prépare donc mon aiguillet pour venir faire mon point invisible. Donc le point invisible, on va venir sortir le fil sur la partie la plus haute du gros grain, ça forme des petites bouclettes en fait. L'idéal c'est de passer dans l'une d'elles. Ensuite, je prends ma pointe et je la plante dans la partie feutre juste en face. Je traverse dans la matière. À peu près 1 cm plus loin. Donc là, l'aiguille traverse, mais pas de l'autre côté. Elle ne ressort pas. L'idée étant de faire tout le tour. Voilà, mon point est invisible. Ensuite, on n'oublie pas de coudre sa petite étiquette dans le dos. Moi, ce que je fais très souvent, c'est que je mets un petit point de couture sur le devant du gros grain. Juste un trait, comme ça permet quand on prend son chapeau de ne pas se poser la question de savoir s'il est à l'endroit ou à l'envers. Hop, on le prend là dans la main, tac, on le met dans le bon sens. Et voilà, bonne journée!